Abonne-toi et active la cloche. Hello mes choubidous, aujourd'hui je vais me maquiller devant vous. Je viens de mettre le fond de teint que j'ai eu en promotion l'autre fois, je ne sais plus où, à Auchan. C'est le radiant liquide, le Je mets Maybelline je crois. Attendez, je regarde. Je crois que c'est Je mets Maybelline. Oui, Je mets Maybelline. Voilà, il n'y avait qu'une couleur. Mais bon, apparemment, cette couleur me convient très très bien. Donc, je l'ai étalé tout simplement avec le doigt et non avec le pinceau. Parce que j'avais pas envie de le mettre avec le pinceau. Alors, j'ai décidé, pour vous rappeler, j'ai acheté il n'y a pas longtemps une palette comme ceci, que j'ai eu même pas à 10 euros parce qu'elle était à 14 ou je ne sais plus combien. C'est Make Up Revolution. Donc, voilà les couleurs. Vous me connaissez, j'adore le vert. Donc, ce que je vais faire, je vais me maquiller en vert. Alors, tout d'abord, je vais prendre la Urban Decay pour la base. Je ne sais pas comme tout le monde, hein, je ne vous cache pas que moi, je m'en fiche. Je me maquille pour me maquiller. Voilà, je mets la base. Savoir que j'étais voir une esthéticienne la première fois que je me suis maquillée, il y a longtemps. Voilà, mais après, après je fais comme il me sent, comme je veux, comme j'ai envie. Alors, comme d'habitude, il n'y a rien de prêt. C'est moi. Bon, allez, je ne sais même pas si j'ai des pinceaux de prêt. Super. Alors, on va prendre ce pinceau-là. Make Up Revolution. On va prendre le crayon pour les sourcils. On va prendre le crayon noir de chez Avril, le cool, mais je préfère, voilà, je ne reste celui-là encore, donc je vais utiliser celui-là. On va prendre le mascara, celui-là j'ai un gros problème. Franchement, celui-là, je vous assure, j'ai un gros problème. Vous vous rappelez, une fois, je vous avais dit que j'avais fait une allergie avec un mascara qui était soi-disant... Enfin bref, c'était un mascara de chez L'Oréal qui faisait des yeux de biche, qui faisait rien du tout. Et j'ai fait une grosse réaction. Mais il faut savoir que ce jour-là, j'ai testé deux mascaras. Et celui-là, je crois qu'il avait plus de 6 mois. Et surtout, faites très attention. Mais vraiment, faites très, très, très attention aux dates. Si vous... Attendez, en même temps, je mets comment dire, de la musique qui, malheureusement, est libre de droit. Attendez, mais c'est compliqué parce que... Voilà. Maintenant, je peux mettre un fond triste quand même. Je vais mettre celle-là. Parce que ça dure une poignée de cerises, hein, la musique. Alors, poignée de cerises. D'ailleurs, j'ai rêvé des cerises. Pourquoi, j'en sais rien. Si quelqu'un peut me dire pourquoi on rêve des cerises. Donc, ce que je vais vous expliquer, c'est ce mascara-là qui est très bien, qui fait des yeux magnifiques, mais vraiment sublimes. Honnêtement, il n'y a rien à dire. Le souci, c'est que si vous l'utilisez au bout de tant de temps, c'est-à-dire... Moi, j'ai fait une brûlure, mais une brûlure phénoménale. Alors, je ne pourrais jamais savoir si c'est... Je sais qu'il y avait cet œil-là et cet œil-là. Et je sais que c'est cet œil-là qui a fait une allergie. Et je sais que c'est avec le L'Oréal. Mais peut-être qu'auparavant, j'avais mis ça. Donc, j'en sais rien, en fait. Mais du coup, je fais très attention si vous sentez qu'il sent mauvais. Mais je vous assure, hein, c'est primordial. Hein. Faites très, très attention. Vous voyez, celui-là, il ne faut pas le garder plus de 6 mois. Vous voyez? Au bout de 6 mois, il faut le jeter. Là, je l'ai eu il y a 2 mois. Donc, je devrais le jeter au mois d'avril. Mais surtout, faites très, très attention. Je suis persuadée que c'est celui-là. Ça faisait 1 an que je l'avais. Et j'ai eu une réaction, mais phénoménale, quoi. Ça m'a brûlé ici, tout. Donc, faites très, très attention. Tous les produits, les palettes, faut faire attention. Ces palettes, les palettes sèches, je pense que vous pouvez les garder, les palettes sèches. Parce que faites attention, hein, vous faites un test avant, auparavant. Mais quand vous avez une palette qui est de plus d'un an, 2 ans, il y a des personnes qui ne font pas d'allergie. Mais il y a des personnes qui font des grosses réactions. Et du coup, vous voyez, celle-ci, je crois que c'est 1 an. Hein, 12 mois. Voilà, dans 1 an, je ne pourrais plus l'utiliser. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, toutes celles-ci, je ne pourrais pas les utiliser. Toutes celles qui sont là. Attendez, parce que ouais, bah, si je mets ça, c'est pareil. Hein, le mot, ça fera plus flou. Toutes celles-ci, 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 toutes les irisées qui sont crème, vous ne pouvez pas. Vous pouvez les garder en collector, en collection, parce que ça, vous avez le droit de les garder en collection.
Attendez, est-ce que j'ai mis la musique? Ouais, j'ai mis la musique, mais on n'entend rien. Voilà. Et du coup, ça, je vous assure, dans un an, eh bien, je ne peux plus m'en servir. Donc, faites bien attention, notez bien quand vous achetez les make-up. Mais ça sert quand on fait les vidéos. Ça, on regarde la vidéo et on se dit, tiens, j'avais cette palette-là. Et ça aussi, je suis sûre, 12 mois. Voilà, ben, ça, je peux mettre poubelle. Voilà. Ouais, mais il ne faut même pas le donner, hein, je veux dire. Le Manacadar, ben, c'est mascara, hein, c'est... Yo, le Manacadar, là, ils disent combien? Alors, vous voyez, ils disent un an. Alors, faut savoir que... Là, je viens de l'avoir. Faut savoir que le Manacadar, c'est pas un an. Surtout, le mascara, c'est pas plus de 6 mois. Eux, ils ont mis un an, mais ils se sont trompés. D'ailleurs, faudrait les appeler pour leur dire. Faudrait leur demander pourquoi ils ont mis un an et que les autres mettent 6 mois. Parce que tout le monde dit qu'un mascara, c'est 6 mois et non un an. J'insiste parce que je ne veux pas que vous ayez des problèmes. Celui-là, je viens de l'acheter. Il est bien, mais il ne fait rien. Mais au moins... Alors, le pareil, celui-là, vous voyez, il est tout neuf. Mais l'autre aussi, hein, de L'Oréal, il était tout neuf, mais je ne m'en sers pas. Hein. Et ces abrutis, ils ne m'ont jamais répondu. Mais je ne perds pas espoir. Je connais des journalistes. Je vais faire ce qu'il faut. Alors, lui, il est marqué où? Alors lui, par contre, je ne sais pas où c'est marqué. Ça doit être cipulé partout. Hein. Attendez, on cherche. On cherche, on cherche, on cherche. Ça doit bien être mis... Ah, voilà, 6 mois. Vous voyez? C'est là. Je ne sais pas si vous allez voir, il ne va pas faire focus parce qu'il y a trop de soleil. Mais c'est écrit ici dans la petite boîte, là, ouverte. 6 mois. Donc, sur ce, ben celui-là, alors là, celui-là par contre, celui-là je l'ai acheté il y a un an. J'espère que non, mais celui-là je m'en sers tout le temps. Mais ça c'est de la poudre, alors la poudre vous pouvez, il n'y a pas de... Si elle ne sent pas mauvais la poudre, vous pouvez l'utiliser. D'ailleurs le fait est qu'il n'y a pas de... Si, non, non, vous voyez, il n'y a pas de date. Éviter de le mettre sur les yeux, voilà ce qu'ils disent. Il n'y a pas de date. Donc, allez, on y va. J'ai mis le fond de teint. Alors, fond de teint, pareil, à mon avis, ça doit être 6 mois et pas plus. Mais ça, c'est une vidéo qu'il faut 12 mois. Un an. Voilà, vous pouvez l'utiliser un an, celui-là. Donc, on y va? Allez, go. Lunettes. Voilà. Alors, une fois, j'avais acheté la même chose, mais Manacadar. Je le supportais bien, je l'adorais, jusqu'au moment où je l'ai utilisé peut-être plus longtemps que prévu, et j'ai fait plein de boutons. Voilà. Voilà, voilou. Ceci. Maintenant, on attaque le gros du gros. On y va. Donc, je vais m'aider de tout simplement... Vous rappelez que j'ai mis le prime. Je vais m'aider... Oh, j'adore ce genre de musique. Alors, je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas, mais moi, j'adore. Ok, on y va. Allez. Je ne voudrais pas qu'on voit mon bout de soudane. Non, voilà. Alors, je vais prendre... Alors, tout de suite, je réfléchis. Comme j'aime le vert, je vais prendre celui-là. D'accord? Et je vais... le mettre comme ceci. Attention, j'ai aucune prétention à dire que je sais maquiller. Hein. Je me maquille comme j'ai envie de me maquiller. Hein. C'est différent. Et si vous voulez me suivre, parce que franchement, c'est pas compliqué. Voilà. Là, vous avez vu, j'ai mis du vert comme ça. Maintenant, je vois que là... Alors, des fois, je change. Hein. Parce que là, j'ai mis du clair. Hein. Là, j'ai mis du clair. Mais ça va pas. Donc là, je prends ça et je vais prendre celui-là, qui est un peu plus soutenu. Voilà. J'aime bien cette musique. Ça me détend, moi. Voilà, je prends cette musique, cette... ok, vert comme ça. Après, bah, du coup, je vais prendre celui-là. Alors, vous imaginez toutes les palettes?
Alors effectivement, vous pouvez les garder en collector, il y en a plein qui les gardent en collector. Mais ne vous maquillez surtout pas avec s'il y a de l'irisé et du gras dedans. Alors ceux qui disent que je me maquille mal, c'est pas grave, hein. Moi c'est pour moi, c'est pas pour... c'est pour vous aussi, hein. Et du coup, je vais prendre celui-là. Que je vais mettre là. Voilà. Et puis ça ne me veut pas, j'en mets une. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, j'ai celui-là. On va reprendre le vert comme ça. Et on va le passer comme ça. D'accord? Peut-être ça va vous énerver, ce genre de musique. Mais moi, c'est ce que j'écoute pratiquement tout le temps. Alors, on y va. Voilà. Et pour donner un peu de... je vous dis, hein, moi, je suis à la one again. Hein. Je l'ai toujours fait hein, depuis le début de ma chaîne. Hein. Alors, j'ai vu quelque chose qui me plaît. Qui me plaît bien. Voilà, c'est pas du vert. Je pense que je vais mettre quelque chose qui va illuminer comme ça, au milieu. Voilà. Voilà. Hop. Et voilà. Donc, pour moi, là, c'est cool. Ensuite, vous allez voir que j'ai oublié quelque chose de super important. J'ai pas envie d'aller le chercher. Mais comme ça se trouve, il est plus bon, alors je vais pas me prendre la tête. Hein. Même celui-là, je vais prendre le nouveau parce que ça se trouve, ils sont plus bons. Les crayons. À savoir, les crayons, combien de temps on les garde? Oh, 38 mois! 36 mois! Ah ben donc, je peux aller le chercher. Bon, alors, maintenant, je vais utiliser ce crayon vert. Alors, ce crayon vert, je vais regarder la date, mais bon, ça fait 3 ans que, moins de 3 ans que je l'ai. 24 mois. Ouais, donc c'est bon. Je peux l'utiliser. Alors, vous allez voir comment je vais faire. Attention, il est vert. Hein. Je ne sais même pas s'il existe encore. Parce qu'il change tout le temps. C'est le drama. Vous n'êtes même pas obligé de mettre du mascara. Vous n'êtes même pas du fard à paupières. Vous n'êtes même pas obligé. Voilà, et moi je le mets ici. Voilà. Vous voyez, c'est franchement pas... Et si je vais en mettre un petit peu plus là? Voilà. Après, c'est un peu comme de la peinture. Hein. Voilà, et j'étale. Ok, alors... Voilà. Voilà, moi je fais comme ça. J'ai pas vraiment changé ma façon de faire les choses. Alors, je vais prendre ceci. Il y a une personne qui bricole. De ma vie, j'ai jamais vu ça. Elle fait des trous. Le dimanche, elle n'a pas le droit. Le jour de l'an, ils n'ont pas le droit. Ils font des trous. L'appartement, ça va être un vrai gruyère. du coup, je vais reprendre celle-ci. Mais vous avez vu, j'ai un pinceau. C'est un pinceau Yves Rocher, je crois. Oui. Ouais. Et c'est un pinceau biseauté. Alors là, par contre, ce que je vais faire, je vais aller regarder en dessous. Voilà, moi j'aime ça, j'aime ce make-up, mais bon. Voilà. Et voilà, maintenant, highlighter.
Alors, j'ai un highlighter parce que vous savez, dans les box, la box Beauty Full Box que j'adorais, qui maintenant ils font que des crèmes, donc c'est une pâle copie de Blissim, anciennement Birchbox, donc je ne la prends plus. Mais voilà, j'avais quand même des jolies palettes. Regardez ça. Voilà, mon Dieu, je ne monte pas, elle est cassée. Ben, celle-là va direct poubelle. Elle a dû tomber. Et celle-là, je l'ai vachement ouverte. Enfin, j'ai donné les. C'est mon petit chouchounet qui a gagné. Dylan et ses passions qui avaient gagné. Voilà, regardez celui-là comme il est beau. Il sent bon. Je regarde la date. Non, mais maintenant, je vous dis. On dirait 24 mois. Focus. Il veut faire le focus quand il a envie, il n'a pas envie. C'est la petite boîte là, toutes les petites boîtes comme ça, faut regarder. Par contre, où je suis super surprise, alors que c'est là qu'il devrait y avoir des dates, je m'aperçois que sur les masques, regardez, il n'y a rien. Il n'y a pas de date, il y a des lettres Y, K2, mais il n'y a pas de. Alors ça, c'est un masque raffermissant à la feuille d'or. Acide animé, maintient les fonctions naturelles de la peau hydratante, c'est Even. Ouais, enfin, c'est des très très bons masques, ça. Voilà. Enfin, s'il est bon. C'est ça le problème, c'est que je sais pas s'il est bon. Qu'est-ce qui nous manque? Ben, il nous manque pour les sourcils. Alors, moi, les sourcils, c'est pareil. Moi, je vous dis, c'est pour ceux qui savent pas se maquiller. Voilà. Attendez. Parce que, en fait, vous savez quoi? Je fais retour caméra, mais. Je me maquille, le retour caméra il est derrière et c'est une catastrophe. Je me maquille au vu de ce que je vois sur mon écran. C'est une catastrophe. Voilà. Vous avez remarqué que j'ai pas mis de noir. Ensuite, ben on va mettre le Manakadar. Where is Manakadar? Il est là. Mais comme j'avais acheté celui d'Yves Rocher, ben on va le retenter celui d'Yves Rocher. On est d'accord? Allez, on va le retenter. Allez. Et c'est le. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo dans le magasin carrément. Sexy Pulp. Alors, soit c'est moi. Peut-être faut le. Mais ça, je sais qu'il est bon 6 mois. Hein. Surtout, faites attention. L'impression que j'ai mis un peu plus de vert là. Il faut que j'étale. Ouais, ben je vais faire pareil que l'autre côté, sinon ça fait moche. Voilà. Voili voilou. Et on y va. Je ne vais pas en mettre 10 ans. Hein. Peut-être au bout de 10 ans, on va y arriver. Ben non, puisque c'est 6 mois. Je rigole. Je dis bien. Non, mais il perce là. Mais attendez, je vous dis, c'est n'importe quoi. Voilà. Et c'est interdit en plus. Maintenant, je vais prendre. Je vais prendre le highlighter que je viens d'acheter. Hein. Pareil, les highlighters, ça ne doit pas durer longtemps parce que pour la bonne et simple raison, ce qu'il y a du irisé dedans, je dirais 12 mois, si vous voyez mieux que moi. Je vois pas. Je dirais 12 mois. Voilà, comme ceci. Peut-être plus, hein, c'est de la poudre. Bah, on a été dans le doré, donc on reste dans le doré. Alors non, 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 c'est pas le pinceau, mais je m'en fous. L'essentiel, c'est que ça rende quelque chose de bien, non? Voilà, c'est le plus important. Ensuite, on a le crayon à lèvres de Make-up Revolution que je viens d'acheter. Le tailler, on taille
Oh là! Et est-ce que c'est anglais? Voilà. Et je vais mettre du rouge à lèvres. Celui-là? Ouais, celui-là, il sent. Bah, je vais plus le mettre. Celui-là, je viens de l'acheter. En fait, les rouges à lèvres, c'est pas compliqué. Et là, s'ils sentent, vous ne les mettez pas. Voilà. Et pour mettre un petit peu de baume, comme ça, je vais faire ça. Vous allez voir, vous êtes choqués. Voilà. Voilà. Un peu sur le bout du nez. Là. Et pour faire encore mieux, ici. Voilà, je pense que mon make-up est fini. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'adore. De toute façon, j'adore tout ce qui est vert. Donc, faut vraiment aimer le vert, quoi. Vous voyez. Après, ce que vous faites, vous prenez un coton. Vous faites bien attention. Vous faites comme ça pour que ce soit. Voilà. C'est ma façon de voir les choses. C'est ma façon de me maquiller. C'est comme ça que j'aime. Voilà. Sur ce, je vous dis I love you. Ich liebe dich, te quiero, ti amo. Il faut savoir que bientôt ma chaîne va s'appeler Sibylle la Parisienne, que j'ai une méga surprise à vous annoncer. Vous allez être très surprise. Et puis, j'en parlerai au moment venu. Voilà. Si ça se fait, ça se fait. Normalement, ça se fait, mais vous savez maintenant, avec les trucs, hein, tout change. Hein. Voilà. Et si ça se fait, je vous en parle. Et je vous dirai. Sur ce, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Comme ceci. Il y a toujours un œil qui est un peu plus bizarre que l'autre. En fait, j'ai compris un truc. Regardez, le mascara, il est mieux de ce côté-là. Donc, j'en ai peut-être pas mis assez de ce côté-là. Voilà. De toute façon, il y a toujours un œil qui me plaît plus que l'autre. Et ça a toujours été un. Hein. Il a l'air plus. Oui, j'ai compris. Maqué. Voilà, j'ai compris ce qui se passe. Regardez. Voilà. Ils sont pareils. Et on va faire un truc encore mieux. On va aller en dessous l'œil où il y avait la poudre. Voilà. Eh bien, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous n'aimez pas, dites-le moi, ça ne me dérange pas du tout. Hein. Voilà, make-up du jour. Automnal, hivernal. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. 62 ans et je me maquille pratiquement, pas toujours pareil, mais pratiquement depuis des années et j'ai pas envie de changer. Voilà. Voilà. Sur ce, je vous dis I love you. Ich liebe dich. Te quiero, ti amo. Abonne-toi et active la cloche.